Hey 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 Kukri, bienvenue pour ce nouvel épisode. Bon, à chaque fois je le dis, hein, vous commencez à vous lasser, mais non, je n'ai pas encore organisé de live pour le jardin. Ça vient un jour, je vous le promets. Pour l'instant, avec les congés et tout, on n'est pas forcément dit que ça viendra. Pour l'instant, j'ai d'autres choses à en... Puis voilà, puis après vous êtes toujours les bienvenus pour d'autres jeux. Il y en a, et c'est déjà le cas. Voilà. On va continuer l'émission, toujours. Au lieu d'un fourré, je veux un légumier et transforme du chantier en un lieu de travail détente. Allez, on va faire celui-là la dernière fois, je pense que non, mais bon, c'est pas grave. Bonjour, j'ai terminé la construction de la maison de mes rêves et j'en suis très fière. Par contre, l'entourage est affreux. Partout, il y a beaucoup de déchets et de piles de gravats, de gravier. J'ai besoin d'avoir un terrain de jeu pour les enfants et un endroit tranquille pour moi et ma femme. Et une piscine, car un peu de confort nous ferait du bien. Oh les richoux, allez, on va y aller. Wouh, ah oui, sacré baraque et sacré chantier. Voilà. À la méga maison et au méga chantier. Ça, c'est un terrain de ouf, j'ai envie de dire. Hein. C'est. Oh là là, d'accord. Puis ils ont bu de la bibine, hein, pour pas se leurrer. Hein. Ça a été la foire à la bibine, à la clope aussi. Regardez, il y a des paquets de clopes. Oh, super, on va ramasser la pile. Oui. Oh, ils ont même mis les petites planches, regardez, pour marcher dessus, pour accéder à la maison. Mais on peut toujours pas visiter la maison. Mais de toute façon, la maison est vide, je le sais. Regardez, regardez. Y a rien dedans. Y a rien dedans. Bonjour, monsieur. Donc voilà, le chantier. Il y a même un petit balcon. Mais la maison, elle est huge. On va aller dans les fougères et tout, là, regardez. Vous imaginez si on avait une maison comme ça à emménager. On n'en finirait jamais. Hein. Bon, en tout cas, voilà à quoi ressemble... le jardin. On va aller faire un tour aussi ici. Ok. 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 Ok, Jean-Pierre. On va ici aussi. Hein. Et puis, il y a tout ça. Il y a tout. Hein. C'est le boxon. Hein. C'est magnifique. Bon. Comme ça. Le genre de maison qu'on n'a pas vu, quoi. Bon, bah, écoutez. En plus, on va se taper du gazon. C'est génial. Hein. Disposer panneaux composites et tout. Ouais, oulala, ça va être long. Elle va être longue cette mission, je le sens. Je suis désolée du coup d'avance. Ça va être très très long. Ce n'est pas de ma faute. Moi, ils mettent pas le temps de mission. Donc voilà, il y a des épisodes méga longs, tout ça. Je pense que de toute façon, je vais pas parler. Je vais faire des cuts et je vais faire des accélérations parce que je sens que ça va être très compliqué pour vous et pour moi. Et c'est comme ça, on est censé être habitué comme flipper. Hein. Alors après, je vous dis pas, je pourrais jamais mettre en ligne quand je refais une maison de 8 heures. Vous avez... Mais personne ne ferait quoi. Personne. Donc, déjà, une mission d'une heure, il n'y a pas beaucoup de monde qui la regarde. Donc bon, comment dire. On doit l'enlever. On doit le. Hop. On gagne des sous comme ça, moi ça me va. Hein. Si on veut enlever des trucs, mais en même temps on gagne de la thune. Voilà. Les déchets. Ah, il y a un petit paquet là. Petit truc là, ok. Déjà, quand on enlèvera tous les paquets de ciment et les bouts de bois, ce sera mieux. Ah, il y a des grosses traces de pneus aussi. Voilà, donc. Ils ont pété de main morte sur les déchets. Hein. Oh là. Les planches de bois, elles se bougent quand j'arrive. C'est magnifique. Fuyez. Bon, planches de bois. Bon, bien sûr, j'espère que mon enregistreur fonctionne bien de nouveau. Hein, parce que vous savez que j'avais eu des petits soucis les dernières fois. Mais je crois l'impression que c'est mon PC qui a eu un souci de lui-même. Donc, pour l'instant, ça fonctionne. Donc, c'est très bien. Des sacrées traces de pneus même, Jean-Pierre, hein. Ah, j'ai pas tout enlevé là-bas. C'est pas grave, ça viendra. La petite cagette. Voilà. La petite palette, la petite cagette. Les cartons. Ah, ils ont même mis le truc de chantier. Adresse, Kumikiego 5209. Permission numéro 2173. Exécutive... Iface, designer Crushy. Ah, mais Crushy, c'est quelqu'un qui fait le jeu, je crois. Hein. Regardez avec le petit bisou et tout, c'est trop mignon. Et superviseur Shejk avec un serpent, mais ça doit être du coup des
C'est peut-être Chris au lieu de Ivis, je sais pas quoi. Ça doit être sûrement des mecs qui travaillent à. Qui ont fait House Flipper, qui sont mis leur nom, et je pense que Crushy, ça me parle. J'ai l'impression d'avoir déjà entendu ce nom, donc. Voilà. Allez, on va commencer à ramasser. Le plus. Voilà, le plus comme ça, on peut encore le faire quand je vous parle, et après, je ferai des. Longues pauses pour. Mettre le gazon, couper le gazon, tout ça, on verra bien. Je pense que ce sera long. Ok, ça c'est parti. Je vais enlever ça, la planche, et lui, je vais le vendre aussi. Du coup, ça me rapporte presque 300 euros, je veux dire. Et encore des déchets, c'est bon. Et là, on va repartir avec la pelle. Bien sûr, c'est toujours la pelle magique, hein. On prend des déchets, mais on ne sait pas où on les met. On les remet là à côté, mais le jeu considère qu'on les a enlevés pour de bon. Donc c'est ça, c'est qui est toujours assez agréable. Hop, et voilà, il n'y a plus de déchets. C'est quand même beaucoup plus vivable, hein. On a un dernier tas ici. Hop, 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 hop. Oui. Eh bien oui. Eh bien oui, et ici on va devoir tondre la pelouse. On va tonder la pelouse. Ça va être long et chiant. Oh my god. C'est du tout souffle. C'est des ordures. Ici, je sais pas, c'est dur. Si, ça doit être des ordures. J'ai l'impression qu'il y a des petits bouts de cailloux, que c'est des déchets, mais en fait, pas trop. Bon. Eh bien, on va commencer. Est-ce que j'ai vraiment envie de commencer par tondre la pelouse? J'en sais rien, mais bon, on va être obligé, donc... Voilà, la débroussailleuse de l'extrême. Je vous fais... Ah, mais si, regardez, il y a des objets, là. Alors, quand même. Je vous fais pas l'honneur de supporter ce bruit. Je vais vous cuter et vous mettre en accéléré. Ça sera beaucoup mieux. Et pensez à moi qui ai souffert. Non mais on est dans les arbres, je vois pas ce que je fais mais je dois tondre la pelouse à cet endroit là. Bon. Ce bruit est tellement insupportable. Ici c'est bon. Ah les oiseaux. 97%. Ah franchement. Enlever les mauvaises herbes, 97%, enlever les ordures, 40%. C'est quoi? Tu t'as pas enlevé toutes les ordures? Les mauvaises herbes et les ordures. Mais où ça donc? Est-ce que la minimap va pouvoir m'aider? Parce que là... C'est marrant, parce qu'on sort ça, ça devient vert. Droit devant. Ok. Bah, je vois pas d'ordure. Bon, tant pis, hein, on fera comme ça. Les ordures, 40%. Si, il y avait un truc là-bas, là. Non, pas là-bas. Là. Hop, déjà. Et le truc derrière le garage, effectivement, qui était... Les bouteilles qui étaient planquées. Voilà, il est fort, ça.
temps de la pelouse 97-97. Ok, très bien. Dans le genre, vous me cassez les pieds, c'est bien aussi. Alors, là, il dit... Ah oui ! Ah oui ! Mais si elles sont planquées dans les fougères aussi, comment voulez-vous que je les vois ? Là, il y en a une. Mais où ? Je suis dans l'arbre, là. Les enfants... Ah, là ! Ok, ça y est, je l'ai éliminé. C'est... Faut couper l'herbe qui est dans les fougères, vous avez remarqué. Une pelouse fraîchement tondue, de baume au cœur. Oui, bien sûr, bien sûr. Attendez, par là. Ah, et ce truc-là. Hop. Ok, ça c'est bon. C'est pour ça qu'on a eu le petit message. Répandre l'herbe, super. Ici, on va nettoyer. C'est vrai que je n'avais pas encore fait nettoyage. Les traces de pneus. Heureusement qu'il ne faut pas refaire le sol parce que là, je pense que je pèterai un boulard. Vu le nombre de plaques qui ont été posées. God. Ok, bah ça c'est fait. A priori. Tonde la pelouse. Ah oui, excusez-moi, j'ai oublié. J'ai oublié là. Excusez-moi, mon seigneur. Voilà. 94%. Des lampes solaires, ok. Bon, on va faire quoi? Oh, ça va être tellement long, mes enfants. J'ai vu de 20 minutes. Il faut mettre de l'herbe partout. J'ai pas la foi. Ah non, mais c'est vrai que c'est chiant en fait. Oh, putain, mais là, il faut de l'herbe. Bon bah allez, on est parti pour les rouleaux d'herbe, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Si je sais pas écrire déjà, on va avoir du mal. Grand gazon. En plus, on est toujours ravis parce que on peut pas les coller les uns aux autres. Hein. Ça, c'est toujours un codage parfait du jeu. Là, ici, c'est ça? Ok. Tchou-tchou-tchouk. On va faire ça comme ça. Ben non, parce que j'ai mis l'autre truc, donc il va pas être content. Comme ça. Non, comme ça. Ok. Bon, allez, on va l'utiliser celui-là. De la merde. J'ai appuyé sur E. Du coup, ça l'a queuté, il faut que je le repasse. Je m'épuise moi-même. Vous imaginez pas à quel point. Ok. Bah écoutez, on va le faire d'ici. Hein. Et on va le faire. La 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 la, répandre de l'herbe, c'est tellement. Jouissif. Et on va en mettre un dernier. Hop. Plus il commence à faire nuit dans le jeu, ça va être cool aussi pour travailler, voir ce qu'on fait. Travailler de nuit, pourquoi pas. Hein, je vais mettre le. C'est pas grave, je vais juste doubler le prix. Hein. Voilà, cette partie-là. Elle est faite, elle est parfaite. Et elle a pas besoin d'être faite. Alors. Forcément, il y a une fougère ici, donc on coupe. On va aller au point. C'est le même prix. Hein. Hop. Et on va reprendre les rouleaux.
ici. Et ici. Ah, nous on y va quoi chez Shirley Enterprise. On met du gazon partout. On met plusieurs couches s'il faut. Ah, c'est vrai que c'est plus joli comme ça. Hein, c'est plus mignon. Bon, là c'est fait. Qu'est-ce qu'il y a ici? Ah, il faut rajouter les lampes. Alors, non, je vais faire le gazon avant. Comme ça, ce sera fait. Et ce qui est fait ne sera plus à faire. Alors, des herbes décoratives. Nanana. Ici, c'est pas pas de l'herbe. Ici, c'est de l'herbe. On préfère l'herbe. J'ai décidé qu'on faisait l'herbe en prums. On va faire de l'herbe en prums. Je vais me mettre bien. Là, c'est sûr que tu iras pas très loin, toi. Et ici, on va le mettre là. Sachant que je pourrais pas aller au bout, hein. Et je suis coincée. Mon bonhomme, il est coincé. Je voudrais sortir. Il veut pas, hein. Bon, bah écoutez, on va être obligé de faire aller celui-là. Oh. Alors, à la fin du truc, il faudrait que je sois pile juste comme il faut. Hein. Bon, bah, on va cutter quand même là. Ce serait mieux. J'étais un peu loin, peut-être. Un petit peu. Un petit peu, mon neveu. Toi, tu vas pas aller loin, mais on va te faire aller quand même. Tac, voilà. Lui, on pourrait le faire aller super loin, mais comme je suis pas sûre, on va rester gentil et bien éduqué. Et j'espère qu'on sera pas, si le jeu veut bien, qu'on sera pas emmerdé avec la branche, hein, parce que là, ça va pas me plaire. Hein. On va voir ça. Je le sens bien que ça va me m'enquiquiner. Et voilà, oui, super, on est ravis, on est content. On a envie de continuer le jeu. Ok, là c'est bon. Voilà, on va devoir jouer à Tetris pour remplir les trous. Espérant bien sûr qu'on rencontre pas le bout d'arbre parce que sinon hein, on va pas aller plus loin. Non mais c'est vraiment du foutage de gueule quoi. Hop. De toute façon en plus là il y a le tronc donc je pourrais pas aller loin. Voilà. Oh, c'est tout juste Augustin. Regardez-moi ça. Ce travail de qualité. On va le faire comme ça. On verra bien. Oui! 96%! Bah oui, regardez, il manque ça là. Ah ouais, c'est bon, hein. Je l'ai tellement bien fait. Regardez, même autour du tronc d'arbre, c'est nickel chrome. Donc on va dire qu'on a. Bon, ici. Dalle de béton 100 x 100. Ça va être ça. Ouais, j'ai dit que je faisais l'herbe avant. Ici. C'est de l'herbe. De l'herbe, c'est de l'herbe. Okay, alors je vais mettre l'eau ici. Un premier roulax. Là. Quand tu veux, mon neveu. Là. On va le dérouler tout de suite, comme ça c'est fait. J'ai pas regardé ce qu'il fallait faire de l'autre côté. Donc on va le cut là. Bien sûr, ça a pas commencé au début. Bon, ah non, ce serait trop facile, hein. Ah, ici c'est encore des arbustes, d'accord, ok. Donc maintenant je vais pouvoir faire mes roulax. On va essayer d'être juste avec l'arbre, hein, parce que... Sinon on pourra pas faire grand chose. Ouais, allez hop, on va faire ça comme ça. Lui il va être bloqué. Mais non, là il est pas bloqué par la branche, vous m'excusez... Voilà, on est d'accord que c'est complètement bête. Oh là, j'étais tout juste. Ouh,
c'était magnifique. Mais il y a un petit écart, c'est pas chouchou. Là, je pense que je vais taper dans le tronc. Eh ouais. Ok. On va recommencer. Oui, c'est Tetris le truc. C'est pas optimum, hein. Oh, allez, moi je me remets un grand, je m'en fiche. Ici aussi, je vais en mettre un grand. Voilà. On s'en fout. On a les sous. Ah, je peux pas l'utiliser. Super, je suis ravie. Ok. Ok. Encore un rouleau. Là. Ouais, bah, de toute façon, je pourrais pas faire mieux. Voilà. Là, je reprends de prendre des petits. On va mettre la lumière si on voit pas ce qu'on fait. Petit. Oh, ils sont tout kiki, les petits rouleaux, hein. On va pas dire de bêtises, mais ils sont tout kiki, hein. Et là, je vais en mettre un kiki aussi. Et toi, ben... Ah, je peux le déplacer. Bah, écoute, tu vas aller là. Pour l'instant, j'ai pas besoin de toi. Hop. Hop. Celui-là, c'était facile. Celui-là aussi. Quelle minutie, hein, pour réussir à remplir une pelouse, franchement. Hop. Ah, il y a encore un trou. Ouais, j'en ai... Franchement. Là aussi, il va me dire, il va manquer un trou. Regardez, il y a deux trous. 95%. Ta mère. D'accord. Je ne veux pas vendre, je veux... Il y avait un truc qui dépassait, voilà. 95. C'est très bien comme ça, moi je retouche pas. Alors, on va devoir maintenant planter. Bon, c'est déjà fait, j'ai déjà fait un truc bien relou. Qui étaient les pelouses. On va faire les dalles de béton 100 x 100. Alors. Surface, dalle. C'est celle-là. Allez, on est parti. Non, je vais partir de la maison, vous savez, parce que c'est tellement bien foutu des fois que je pourrais pas. Voilà, c'est pour peu qu'on aille par-dessus ou pas la dalle. On peut pas faire ce qu'on veut. Il va manquer ou ça va être trop grand ou trop petit et tout. Et puis on sera bézèche. On faut 6. Hein. Allez, je suis arrivée à la 6e. Bon, bah, ils avaient étudié qu'il allait avoir de la place. Hein. Voilà. On peut aller jusqu'à la maison. Ça, c'est fait. Bien sûr, il y a des petits bouts de terre qui dépassent sur les côtés, mais on nous a pas demandé de combler. Donc, il va falloir mettre quand même pas mal de choses ici. Trois arbustes de conifères de style rampant. Putain, c'est 3 plus des aires décoratives. Ça va être vachement très condensé, hein, je pense. Alors, on va commencer par planter herbe décorative 1m50. Herbe décorative... Ah oui, mais ça c'est vrai qu'il faut pas les planter. On va en mettre 2. Écoutez, on va mettre ça là. Et une à l'opposé. J'aime bien faire les trucs symétriques, hein, mais... 3 arbustes de conifères type rampant. Alors, conifères. Ça. On va faire cela. Il m'en faut 3. Non, mais en plus, ils prennent de la place, quoi, quand même. Je veux pas être méchante, mais... Ça va être chaud pour les caser, hein. 1. 2. 3. Ok. Je vais les planter tout de suite, comme ça ce sera fait. Parce qu'après, il y aura tellement de fougères que j'arriverai plus. Ok, ça c'est eux.
un supplément horaire de nuit, hein, parce que quand même. Voilà. Planté avec succès. Il nous reste encore planté des décoratives et 3 herbes décoratives étalées. Alors, une herbe décorative hauteur 0,5. Attendez, c'est là. Hauteur 0,5. Ça doit être ça. On va prendre celle-là. Hop. On va la mettre là. Et herbe décorative étalée, hauteur 0,5. Hauteur 0,3, hauteur 0,5. Ok, très bien. On va prendre ça. Et on va mettre là où on peut. On va combler les trous. Là, elle veut bien. Ah, et là, c'est vrai qu'il y a encore. Voilà. Ça fait un peu condensé, mais on a fait. Ah oui, il faut les lampes modernes ici. J'avais oublié que les roses sont roses. Ouais, bon, on va le faire après. Ici. On va... C'est la même chose, en fait, non ? Herbe décorative étalée. Ouais, c'est ça. Ok, herbe décorative d'un mètre cinquante. Je vais prendre celle-là. Non, bah non, je vais prendre les mêmes. Sinon, pff, punaise, la fougère de folie, quoi. Hop ! Et ici. On est bien. Arbuste de conifère, type rampant. J'avais pris celui-là. On est sur 3, donc on est exactement sur la même chose. J'avais fait en 3 comme ça. Tu vas aller là. Tu vas aller là. Et tu vas aller là. Parfait. Je vais te replanter, mon petit. Hop, hop. C'est longué, hein. C'est longué, je suis d'accord. C'est loin de l'heure de la mission, mais c'est un peu longué quand même. Disons que c'est sympa, mais c'est vite répétitif, quoi. Voilà, non. C'est avec le E qu'il faut faire cette fois-ci. Puis le jet d'eau. Voilà, ça c'est fait. Oh là, oh là, oh là, c'est parce que du tout ce que je voulais faire. Il faut donc la plante décorative de hauteur 0,5. Décorative de hauteur 0,5. Super. Je vais te mettre exactement au même endroit parce que j'ai un souci de symétrie. Et les herbes décoratives étalées à hauteur 0,5. C'était celle-ci. De cette couleur-là. Et plantée au même endroit. Voilà. Deuxième plate-bande. Terminé. C'est une bonne chose. Ici, il fallait rien. 95% lampes. Lampe solaire moderne. Alors, jardin. Meuble. Non. Architecture. Non. Décoration. Lampe. Moderne. C'est ça ? Je sais pas. Lampe solaire moderne, oui, c'est ça. On va les prendre vertes. Hein. Et il nous en faut 8. Pourquoi ? Je comprends pas pourquoi, où est-ce qu'il faut les planter exactement, mais on va dire qu'on s'en fout, on va en mettre une là. Et bien sûr, il va nous dire, non, mais c'est pas bien planté, voyons, c'était pas dans le parterre. Voilà. Celle-là, on va la mettre là. Enfin, on va la mettre là. C'est au bord parce que je me dis, ça, comme ça, ça éclaire le passage. Voilà. Puis on va en mettre près des plantes aussi pour dire, vous avez vu, j'ai des belles plantes. Raté. Et une autre. On va la mettre là sous l'arbre, allez. Parce que j'en ai deux que j'ai pas bien calé dans le cercle, genre celle-ci. Enfin, dans le cercle. Voilà. Et c'est la première que j'ai mis ici qui n'est pas non plus bien placée. Voilà. On est à 8. C'est pas très joli, hein. Ah, d'ailleurs, celle-là, il les considère alors que normalement, techniquement, elles ne sont pas dedans. Ah, celle-là, elle ne l'est pas. Je vais la remettre mieux. Et celle-là aussi. C'est le souci du détail, ça, voyez. Voilà. Ça, c'est fait. Ça commence à avancer, tout ça. J'ai mon petit rouleau ici qui attend. Comme Jonathan, il n'y a rien à faire ici.
Oh là là, panneau composite. J'ai pas envie. Panneau composite 100x100. Banc avec coussin planchette. Objet blanc planchette. Ici, il en faut 26 de panneaux composites. Oh là 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 là. Oh non, mais ça va être l'enfer, hein. Farou, voulez-vous que je commence pour pas me planter? Hein, on va commencer là. Allez. Il y aura un petit écart. Bah, c'est comme ça, j'ai décidé que. Et vous voyez déjà, ça tombe même pas pile ici. Donc, ça, c'est magnifique. Ah, mais ça va être dégueu, hein. Ça va être dégueulasse. Les enfants, faut pas se leurrer. Voilà. Surtout que là, j'ai fait un écart. Ah non, ça va être dégueulasse. Là, j'ai pas fait d'écart, alors que tout à l'heure j'en ai fait, donc en fait, je sais pas. J'en ai mis que 13. Plus on a un arbre qui est là au milieu, va nous casser les burnes. Ok. Je ne l'ai pas bien placé, mais ça c'est. Voilà, oui, hein, bah, y a l'arbre, hein, donc forcément, on va pas pouvoir le placer correctement. Comment c'est là? Non, mais pourquoi vous faites des bordures aussi? Regardez comme ça met en... ça fait de la merde après. C'est pas joli. C'est infernal après pour poser ces panneaux. On n'arrive pas. Si à la limite ils pouvaient se recouvrir les uns les autres de beaucoup, ce serait pas un souci et on pourrait faire des trucs vraiment bien. Mais c'est pas le cas. Ils peuvent se. Voilà, là je peux pas par exemple. Et du coup, ben y a, ça crée des problèmes parce qu'il y a des, y a pas les raccords et tout. Donc c'est pas Jojo. 24, 25, ah bah c'est mon dernier. Je peux pas le mettre. Si. Voilà! C'était pas du tout comme. C'était pas du tout comme ça. Ah non, mais je suis obligée de repositionner. Hein. C'est pas possible. C'est pas joli. Écoutez, moi je vais revendre tout ça parce que ça va être trop long de déplacer un à un. Donc voilà, et, je les compléterai là-bas. Voilà. Je vais les compléter comme ça. Parce que là, c'est pas possible. Là, je fais pas attention, je fais pas le raccord. Encore 3. Puis 26, bah voilà, hein, ça fait qu'il y a un décroché. Pourtant, c'est joli, j'ai bien fait ici, c'est clean, ça fait propre. Après, bah voilà, là, il n'y a pas les raccords de fait, mais surtout, il y en a une en trop, quoi. Je sais pas comment ils veulent qu'on fasse, en fait, pour que ce soit joli. Puis comme j'aime pas, je me sens obligée de tout. Mais ça va faire encore plus de décalage. Donc, en fait, je vais la mettre là. Mais ça fait pas beau quand même. Il y a une planche qui est en plus, quoi. C'est pas beau. Voilà, bon. Alors, table basse. Deux arbustes à port arrondi. Ah bah oui, je vais les planter là, moi, les arbustes, du coup. On s'en fiche. Ok, on va commencer à planter. Arbuste à port étalé, hauteur 1 mètre.
Alors, plante, arbuste. Alors, arbuste. À port étalé. Je sais déjà plus ce que je dois faire. À part étaler hauteur 1 mètre. Ça. Super. Il m'en faut qu'un seul. Donc ce sera celui-ça. Celui-ça. Ça, c'est du bon français. D'accord? Bon, il fait nuit noire, hein, et on continue à travailler, je vous dis, ils ont intérêt à me payer en des heures sup, hein. C'est pas humain, tout ça. Arbuste à port arrondi, hauteur 1 mètre. Hauteur 1 mètre. Ok. Oh, bah toi, je t'aime bien. Il en faut deux. Tu vas te mettre là, et tu vas te mettre là. Là, moi, je plante tout. Voilà. Ça c'est fait et maintenant on n'a plus qu'à mettre les meubles. Et les meubles, je vais les mettre bien sûr ici, ce sera plus logique. Alors, table basse, Alvar. On va tomber tout directement. Alvar. Table basse, Alvar. D'accord. Oh. Mais ça c'est. C'est pas noir, c'est orange. Ah d'accord. Mais. Ouais, ils sont bizarres ces gens. Tu vas prendre ça. Voilà. Objet fauteuil. 4 fauteuils Alvar. Oh, magnifique. Magnifique. Et puis, j'avais pris ça comme ça. Je sais même plus ce que j'ai pris. Hein. Blanc. Oui, bah ça ira très bien. Hein. Oui, ils auront les pieds de chaise directement entre les jambes. Et alors? Vous mettrez où vous voudrez après. Hein. Après, là, c'est un peu mal foutu comme table, hein, on est d'accord. Et les objets lampes modernes solaires. Donc, on va retourner dans les lampes. Décoration lampes modernes. Ok, on va prendre celle-ci. Il nous en faut 4. Écoute, on va les mettre dans les fougères, hein. Je trouve ça plus logique, moi. Hop. On va pas faire quelque chose de joli, on s'en fiche un peu, non? 2. 3. Et 4. Allez, voilà. En même temps, il y a une carré qui dépasse. Autant mettre les trucs d'un wack, hein. Je veux dire, il y a au moins ça qui est joli, qui est réussi. Ensuite. Oh, bah voilà, il faut répandre de l'herbe au rouleau. Je vais prendre mon petit rouleau que j'avais abandonné là-bas. Et on va le déposer. Ça, tout n'est pas perdu pour monsieur le rouleau. Parce que lui, il se sentait clairement perdu. On va l'utiliser tout de suite. Abandonné. Il dit, mais je vais jamais servir. Moi, mon destin, c'est d'être un rouleau dans l'herbe, de donner de l'herbe. De donner du bonheur d'avoir de l'herbe sous les pieds. C'est beau. Oh. Voilà. Ils sont contents d'avoir de l'herbe jusque-là, non? On va mettre... ce sera 2 rouleaux ici. C'est du taf quand même. Hein. Et du jardinier. C'est du taf. Pareil, on va l'utiliser en proms.
Ça, après, on fera sur la partie qui manque. C'est dommage qu'on puisse pas accélérer non plus, hein. Et dernier rouleau. En tout cas, pour ce morceau-là, hein, parce que je ne sais pas encore ce qu'il faut faire chez les autres. Et hop. Là, ce sera bien et nickel, il n'y aura pas de trou. Hein. C'est une ligne droite, comme ça, il n'y a pas d'arbres ou d'arbustes qui vont nous enquiquiner, donc c'est facile. Ok. L'herbe au rouleau, 100%. Disposer pierre de guet de jardin. Placer l'objet petite piscine tubulaire. C'est des surfaces. Oh! Ouais, bah écoutez, d'accord. Ah oui, d'accord, ok. Et il nous en faut 25. Oh bah, elles font pas la même taille à chaque fois. C'est magique! C'est sympa. Bon là, ils sont gentils, mais... Ah, normalement j'ai fini, j'en ai mis assez, mais... Quitte à remplir l'espace... Attendez, on va recommencer. Ouais, on va commencer par une petite et ça c'est mieux. Voilà. Voilà! Là c'est mieux quand même. C'est sympa, bon. Il y en a qui sont... Voilà, il faut bouger un peu. C'est original, c'est... Oui, c'est sympa. Et alors, petite piscine tubulaire. Très très bien, petite. Ah, petite petite. Ah, mazette, hein? C'est qu'il y a quand même du monde à mettre là-dedans, alors est-ce que ça va rentrer? Oui. Voilà, cette partie-là est faite. Ça va, ils vont être trop calmes. Ah, le jour se lève. Et ici, oh là là, cerisier, des ribes, de l'herbe au rouleau dans la zone. Bon, on va commencer par l'herbe, parce que sinon on s'en sortira pas. Le grand gazon, voilà. On va le disposer à partir d'ici. Bien sûr, à chaque fois, je laisse un petit espace. Excusez-moi, monsieur. Je voudrais pouvoir mettre mes rouleaux. Je laisse toujours un petit espace pour pouvoir bien recouvrir après. Bon, je recouvre tout, moi, je suis comme ça, je suis... On n'est plus assez près en même temps. Voilà. Touloulou. Il y avait ma lampe torche dans le truc de la piscine, c'était flippant. L'écran bleu, ça n'était pas une erreur de votre écran, non, non, ne vous inquiétez pas. C'était un petit bug de position. Ok, on va reprendre les roulax. Mais remplir les trous. Non mais c'est bon. Ok, hop. Bon là, j'ai pas besoin d'aller au bout, hein. On va arrêter. Là, je suis obligée d'aller au bout. Voilà. Voilà. Il manque un tout petit bout ici. Ah, mais nous nous en tient pas compte, donc c'est toujours ça de pris. Nous allons donc devoir planter des cerisiers, un cerisier, trois ribes, une cabane de jardin pour enfants et une aire de jeu. Ok. Comme ça, je pense que ce sera déjà bien. Ça.
Je veux ça. Ah oui. Voilà, on va faire ça comme ça. Ah oui. Heureusement que je disais qu'il fallait un grand truc, hein. Qu'est-ce que... Pourquoi il est transparent? Ah, il faut que je l'installe. Heureusement que c'est pas très compliqué. Ok, c'est fait. C'est moins chiant que les lavabos ou les douches, hein, ça on est d'accord. Aire de jeu. Zut. Mais où est-ce que vous pouvez les mettre? Vous avez vu le truc, il est gigantesque. Fixer cabane de jade. Mais. J'en ai mis une, ça suffit pas. Oh là là. Écoutez, on va mettre ça comme ça. Pourquoi fixer? Oh là, mais je comprends rien, moi. Oui, super. Super le jeu. Ah non, là, franchement, pour installer le machin, je suis... Ouais, super, j'adore. Allez, ça m'énerve. Ils sont codés vraiment... Zen. Ici, comme ça, c'est bon, je vais pouvoir l'installer. Ou je vais me retrouver derrière la palissade. Dans un truc minuscule, il faut fixer ça. Ah bah ouais. Eh bah, je peux pas le faire non plus ici. Ok. Eh bah, on va le vendre. Et puis ça, je vais le vendre aussi parce que je pense que ça me saoulait, en fait. Voilà. On va devoir le foutre en plein milieu, sinon ça ne fonctionne pas. Voilà. On va le mettre là, ici. Troisième installation. Est-ce que ça va fonctionner? On sait pas. Ah, c'était tout ça pour ça. Quoi? Ah. C'est tout? Fixer cabane? C'est-à-dire qu'ils ont déjà un truc, ils en font encore une autre, quoi. C'est un enfer, leur truc. Surtout que... Cabane avec tout. Mais c'est pas du tout la même chose qu'il m'a mis tout à l'heure. Mais c'est une blague. J'avais cliqué sur ce truc-là. Ok, d'accord, très bien. C'est laid. J'ai criard. Voilà. Le tout, on va le faire rouge. Non, comme ça, c'est bien. Ah oui, je comprends mieux pourquoi ça déconne. Bon, on va la foutre là. Oh là 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 là. Ok. C'est bon. Et toujours dans le même endroit, hein. Il y a vachement de place. Là, on va mettre les cerisiers. Hein. Enfin, le cerisier, parce que on en a besoin que d'un seul. Moyen. Voilà. On va le mettre là. On va le planter tout de suite. Ça, c'est fait. Ça pour manger des cerises de temps en temps et trois ribes. Et moi, ça se passe que c'est des ribes. C'est ça. Ah oui, c'est ça. Bah, écoutez, on va 1, 2 et 3. Nous allons planter le bâton.
Ok, cette parcelle est faite. Qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, j'avais pas assez arrosé celle-ci. Il m'a fait peur, ce con. Progrès. Il nous reste encore des trucs à faire. Ah oui, il nous reste cette partie là-bas. Il faut mettre des dalles et tout le trolala. 12 panneaux composites 100x100. Allez, c'est la fête. Alors, non, jardin. Je sais plus. Composite, c'est ça. Panneau composite 100x100. Écoutez, on va faire le lien avec ici, hein, ça me paraît logique. Et il en faut 12. Ah. Il y a déjà 3. 4. Soit je fais 5-6 et ça fait qu'un tout petit truc ridicule. Soit je fais 3x4. On va faire 3x4, ça paraît tout. Donc, bon. Si je pouvais arriver à me diriger pour poser cette dalle de l'enfer. Ok. J'ai dit 3x4. Hein. Ouais. On va y aller progressivement comme ça. Sans se presser. Sans faire de... de vitesse. Voilà. Bon, il reste à la moitié du truc, hein. C'est pas du tout bien, mais bon, au moins ici ils peuvent aller de la dalle à la dalle. Voilà, c'est. En même temps, je voyais pas trop. Là, il n'y en avait pas assez. Tant là, 26, c'est ridicule, mais là, il n'y en avait pas assez. Alors, avant de passer le banc, on va penser le kiosque Alain. Kiosque Alain. Kiosque de jardin Alu. Et ça. Voilà, celui-là. Oh! Sympathique. On va prendre ça. Ok, le truc est méga grand. Si tout va bien, c'est logique. Voilà, je vais le caser là où j'ai mis les dalles. Ça me paraît logique. Juste que ce soit bien placé quand même. Je serais dommage. Installe! Allez! Ah, là, vous avez vu que la piscine elle avait disparu. Oh! Puis ils nous font des bons gros zooms pour qu'on voit bien où est-ce qu'il faut le faire. Ah, attendez, je m'éteins la flashlight parce que ouais, ça devient un peu trop flashy flasho. C'est qui a la dévis, hein? Ah bah, d'accord. Ok! Regardez! C'est mignon, c'est bien placé maintenant, c'est joli. Et là, je vais pouvoir mettre le banc... le banc planchette. Banc avec coussin planchette. C'était le même que la dernière fois. Du coup, on va rester sur du blanc. Et les coussins... un peu gris comme ça. C'est bien ça. On va le mettre là. Et banc planchette. Juste un banc planchette. D'accord, comme ça. Et on va le choisir ben, blanc. C'est un banc ou c'est une table? On dirait une table en fait. Mais je pense que maintenant nous avons terminé notre jardin et notre mission. C'est pas trop tôt. J'avoue. Et le jour est revenu. Oh, on peut rentrer. On peut pas rentrer dans la maison. Mais j'avoue, la maison elle est grosse. Oh, des escaliers. Ils ont quand même fait des escaliers. Ils ont pris la peine de mettre des escaliers. Ici, rien à faire. Ouais, de toute façon, la jauge elle est quasiment à 100%. Donc on va pas trop traîner. C'était une bien belle maison. Le jardin, il est beaucoup mieux comme ça. Franchement, j'ai bien taffé. Je suis fière de moi. On rend le chantier. Ah, quand même, 98% de chantier, mais bon, c'est bien. Et 20 633 euros. Oui! On a gagné des plats. Tout ça. Bon, je vais vous laisser l'épisode, j'ai été long, comme d'habitude, quoi, on va... c'est... oh, c'est mission. N'hésitez pas à mettre un petit like, comme je vous en dis à bientôt pour la...